C'est une première dans l'histoire de Ryanair. Les pilotes de la compagnie irlandaise à bas coût sont en grève en Allemagne à quelques jours de Noël. Un débrayage à l'appel du syndicat Cockpit suite à l'annulation mercredi d'une première rencontre prévue entre le syndicat et la compagnie sur des négociations salariales. Le trafic aérien est peu affecté, mais la grève est jugée satisfaisante par le syndicat organisateur. 9 des 36 vols opérés depuis l'Allemagne ont été retardés, mais il y a eu peu d'annulations. Il y a eu quelques retards significatifs qui peuvent être attribués à la grève, mais on pouvait s'y attendre. Pendant la nuit, Ryanair a mobilisé les pilotes qui ne sont pas permanents et qui n'étaient pas appelés à faire grève. Ryanair a mobilisé aussi les pilotes étrangers, mais la compagnie a connu une situation chaotique parce que ses pilotes manquaient sur d'autres vols. Das Chaos ist bei Ryanair aber trotzdem entstanden, denn diese Piloten, die fehlen ja dann woanders. Le syndicat allemand a présenté ce mouvement comme une grève d'avertissement. Il s'est engagé à ne pas reconduire la grève avant le 27 décembre. La compagnie est confrontée à un vaste mouvement de contestation sociale en Europe et à des menaces de grève historiques de ses pilotes dans plusieurs pays.